Qui est la forte de la corde transo, soit, ok, mais il faut aussi qu'il y ait des transos de soutien. Et les transos de soutien, je veux dire, on à aucun moment j'ai entendu claquer quelques transos pour faire ça. On n'a pas assez pour faire ça. Mais il faut trouver le moyen de le faire, parce que à ce moment-là, c'est moi qui ai dit à Fritz de claquer RFG. Le truc, c'est qu'il faut leur faire claquer leur transfo à eux en premier. Arrête de courir, t'es mort. 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 Mais d'abord parce qu'ils en ont plus, ils en ont plus et ils savent mieux les temporiser. Donc c'est là où nous, on n'en a pas assez pour faire ce genre de truc. Mais tu comprends bien que si tu claques pas les transports, tu temporises même pas les... Non. Tu rentabilises même pas les arbitrages. Mais... Attends, c'est quand même une vérité, mais je viens de dire. Le but, c'est de péter la porte en deux. Alors quoi? Allons encore. Allons encore. Allons encore. Quoi? Et la porte, elle a été pétée en deux fois. C'est tout. Arrête de courir, t'es mort. 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 Non, stop. Là, il faut arrêter d'être con, là. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup moins rentrées que moi et qui seraient capables de disjoncter à force de se faire de prendre des full white parce que notre stratégie c'est aller sur une porte.